Il y a longtemps que sur la terre, des catastrophes et du tonnerre ont marqué le cours de l'histoire, sans jamais annihiler l'espoir. Astéroïdes et collisions, volcans souvent en éruption, et le soleil en haut en bas, qui fait ses misères tout là-bas. On sait pourtant qu'un jour viendra où sur la terre rien ne sera. L'éternité aura une fin et le repos trouvera enfin. Apocalypse sans retour, plus rien ne vaudra le détour. Tout alors aura disparu quand l'éclair sera entrevu. Dans le passé jusqu'à présent, des prédictions de temps en temps ont annoncé des cataclysmes naturels avec fatalisme. Pourtant aucune des prédictions s'est traduite en malédiction. Maya et Ching, jugement dernier, vous vous êtes totalement trompés. Aujourd'hui c'est l'humanité qui peut détruire et tout casser. Au-delà des forces de la nature qui déterminent notre aventure, avons maintenant le pouvoir sur le futur de faire pleuvoir, en laissant les choses se faire, sans maîtriser, sans visionnaire. En conséquence, le vrai combat, en contenant les gros dégâts, c'est sans tarder alimenter prise de conscience et volonté. Révolution énergétique, destruction des armes balistiques, nourriture et population, éliminer la pollution. La 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 la. Pas à attendre la fin du monde pour entreprendre ou corriger ce qui ne va pas et vivre une vie sans trépas. Tout est maintenant dans nos mains pour développer le genre humain. Nous sommes donc tous responsables pour fuir à tout prix l'impensable.